Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans les commentaires. Comme nous l'avons si bien dit, l'état de santé de Dadis Camara est stable. Mais d'après une certaine vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il savait que l'état de santé du président Dadis Camara se serait dégradé. Alors, pour confirmer cela, le ministre de la Justice, Alphonse Charles Watt, s'est rendu lui-même à la maison centrale de Conakry pour parler avec Dadis Camara. De son retour, il nous confirme que ce dernier se porte bien et sera au tribunal de Mang pour répondre aux questions de monsieur le juge. Alors, même si certaines vidéos font état d'une santé très mauvaise du président Dadis Camara, alors si le ministre Alphonse Charles Watt était bel et bien en prison et qu'il confirme que ce dernier sera au tribunal de Mang, nous ne pouvons qu'attendre Dadis Camara au tribunal de Mang et son absence pourra peut-être confirmer que son état de santé serait en train de se détériorer et là, et on doit peut-être penser qu'il doit être nécessaire d'évacuer de toute urgence Dadis Camara vers un pays pour qu'il puisse se soigner comme on l'a fait avec l'ex-président Alpha Condé. Alors, si Charles Watt confirme que Dadis Camara est bel et bien portant, alors il n'y a que des mains pour nous rectifier le tir. Eh bien, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonné à la chaîne, partagez avec vos amis, famille et connaissances si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.